Coucou, bon ben voilà revenu, hein. Ça y est, j'étais chez la kiné. Plus de séance de kiné, ça s'est remis en place en deux séances. Là, elle a regardé, m'a regardé la tête, elle m'a fait allonger la tête, elle a regardé mes yeux, m'a dit ben, ça y est, tout est en place. Donc tout est revenu normal. Par contre, si ça recommence, alors c'est une chose à savoir quand on va chez le kiné, c'est ce qu'elle m'a expliqué. L'ordonnance est valable un an. Donc, si ça me reprend dans l'année, eh ben, je peux y retourner sans avoir besoin d'aller voir mon docteur. Je l'appelle, j'appelle la kiné et elle me reprend. Voilà. Donc, c'est valable un an, mon ordonnance. C'est une chose que je ne savais pas. Arrivé à mon âge, je ne savais pas. Donc, voilà. L'ordonnance pour le kiné, hein, je ne dis pas pour les médicaments, mais pour le kiné. Donc là, j'ai fermé les volets parce que sinon, Coco m'a dit quand tu te mets à cette place-là, on dirait que t'es chauve. Donc là, ben, c'est à peu près pareil, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je suis comme ça, je suis comme ça. Donc après, j'étais chez Lidl. Donc je vous mettrai les prix. Hein. Je ne vais pas m'éterniser sur mon bon. Là, je vais vous faire mon retour de course. Je vais manger et je mettrai les prix. Parce que je suis rentrée, il est 3 h de l'après-midi, enfin 15 h. Donc je repars dans 2 h. Dans 2 h, je repars. Donc là, je vais manger un petit peu quand même parce que j'ai quand même faim quand même. Hein. Je commence à avoir un petit peu faim. Donc je vais vous dire ce que j'ai acheté. Je vous marquerai les prix. Et puis bah, je vous mettrai cette vidéo-là quand elle apparaîtra. Hein, comme je vous ai dit ce matin, hein, mon blabla. Donc j'ai pris de l'huile. Parce que ça, j'en avais plus beaucoup. Donc voilà, j'ai pris de l'huile. Hein. J'ai pris du lait bleu comme ça. Ça, du bleu ou du vert, je pense. Ça dépend comment je suis lunée. Donc j'en ai pris 4. Voilà. Là, je vais retirer ça parce que ça me gêne. Un carton que j'avais pris pour faire mes courses. J'en ai pris 2 rouges. Ça, c'est pour faire mes yaourts. Je prends toujours du lait entier pour faire mes yaourts. Voilà. Ensuite. Bah, mes fameux petits fromages, hein, toujours, hein, mes petits chèvres comme ça que j'aime. Ça, après, je me suis pris des clémentines, pas des clémentines, c'est des mandarines. Elles sont super bonnes à Lidl en ce moment, donc j'en prends. Je me suis pris du fromage blanc, là, 0%. Je me suis pris du raisin parce que je vais me faire une salade de fruits pour emmener ce soir ou pour emmener demain, je ne sais pas encore. Je me suis pris des myrtilles pour mettre dans ma salade de fruits, des mandarines, du raisin, des myrtilles et j'ai pris des fraises qui sont quelque part, mais je ne sais pas où. Pour changer un peu de prendre du gruyère, je me suis pris une chaussée au moine, enfin chaussée au moine, voilà, ça c'est bon aussi. Et mes petites filles, elles aiment bien ça. Ça, on verra après. Ça faisait un petit moment, j'en avais pas racheté. J'ai pris des moules. Hein, ça sera sûrement pour demain soir quand je vais rentrer. Non, pas demain soir, parce que demain soir, non, je pars l'après-midi et je rentre. Ça sera pour lundi. Ça sera pour lundi, ça. Ouais, je vais mettre au frigo. Je me suis pris du café. Voilà. Ça. Alors, je me suis pris de la levure. C'est pas que je fais des gâteaux, mais j'ai regardé ma levure et mon sucre vanillé. Oh, excusez-moi. Et la date est dépassée, donc j'en ai repris. Et ceux-là, ils sont bons jusqu'en 2025. Le sucre vanillé est bon jusqu'en janvier 2025. Et la levure est bonne jusqu'en décembre 2024. Donc d'ici là, comme quand Coco elle vient, là on s'en sert de la levure et du sucre vanillé. Voilà. Donc j'ai pris des fraises aussi, là. Elles sont super belles là, en ce moment et bonnes. Et elles sont belles et bonnes pour mettre dans ma salade de fruits. J'ai pris aussi des bananes. Voilà. Alors j'ai trouvé ça, je crois que c'est Betty qui en a parlé de ça, des spatzoles, spatzoles. Betty, je crois qu'elle en a parlé une fois dans un vlog, elle en parlait, elle disait que c'était bon. Donc c'est des spatzoles, c'est aux œufs. Alors on voit la photo là, les œufs. Voilà. J'ai un paquet de 500 grammes et c'est bon jusqu'en janvier 2026.
Donc, ça sera mangé d'ici là. Hein. Voilà. Alors ensuite, je regardais quelque chose pour emmener... non, je vais vous montrer d'abord autre chose. Ça. Ça, après. Alors, me suis fait une salade. Hein, une salade avec les moules, ça va le faire. Ou avec autre chose. C'est une romaine. Comme j'ai plus de yaourt de fait, ben je m'en suis pris des comme ça. Et comme j'ai plus de... Comment ? Du produit, vous savez, pour mettre dans mes yaourts, pour les faire. Ça s'appelle le nom. Il n'y a qu'à Leclerc, j'en trouve. L'autre fois, j'en ai pas trouvé. Donc là, j'ai dit, ben, je vais prendre un yaourt comme ça. Et puis, je me ferai mes yaourts avec ça. Hein, en attendant. Donc, ça me fait pas mal. Ah oui, je me suis pris aussi pour emmener au loto, là, je n'ai pas m'acheter de sandwich, je me suis pris une salade d'œufs et mimolette, pâtes et crudités. Voilà, je vais m'emmener ça. Voilà, je sais, c'est pas tellement bon les plats préparés, mais une fois de temps en temps, il ne faut pas, hein, on va pas dire que c'est pas bon. Je me suis pris du beurre. Je me suis pris pour le matin des petits grillés complets, comme ça, deux paquets. Ça, c'est pas montré, ça non plus, voilà. Je me suis pris aussi des sans sucre ajouté, c'est des pommes mangue, des petits yaourts comme ça, voilà. Je me suis pris du jambon. Jambon, c'est la vie. J'ai pris des œufs. Des œufs. J'y allais essentiellement pourquoi ? Pour ça. Du PQ. Ensuite, alors les œufs, c'est bon. Ça. Voilà. Ça. Bon, je me suis pris des allumes-feu, hein, comme je fais à chaque fois que je vais en course, des allumes-feu. Je crois que ce matin, je n'ai pas allumé mon feu. Je vais peut-être l'allumer un petit peu là avant de partir, mais pour 2 heures, je ne sais pas. Je verrai. Donc, j'en ai pris 4 paquets d'allume-feu. Pour emmener au loto, comme on emmène toujours des bonbons, des gâteaux et tout le monde amène quelque chose. Alors, comme j'ai 3 lotos, je ne sais pas ce que je vais emmener. Et là, j'ai pris des crêpes dentelles de Bretagne. Voilà. Alors, celle-là, il y en a, je ne sais pas combien dedans. Enfin bon, c'est pas grave. J'ai pris les crêpes dentelles de Bretagne, mais chocolat noir, origine Belgique. J'en ai pris 2. Voilà, donc ça fera quand même assez. Et j'ai pris aussi, parce qu'on aime bien de temps en temps, j'ai pris des choupa choux, des sucettes, comme ça, ça fera plus longtemps. Et puis voilà. Ah oui, puis j'ai pris ça. Alors, j'étais en train de regarder les plats préparés, justement, pour emmener. Et puis, je voyais ça, ça m'appelait, c'était du poulet curry vert et riz Thai style. Voilà, comme ça. Et puis, je regardais, j'ai dit, mais je ne vais pas pouvoir emmener ça au loto. Il faut 3 minutes 30 au micro-ondes. Je n'avais même pas vu qu'il fallait 3 minutes 30 au micro-ondes. Puis, il y a un charmant monsieur, jeune homme même, qui en a pris de plusieurs goûts. Moi, j'ai pris celui-là déjà pour goûter. Et puis, j'ai dit, ça se fait chauffer ou ça se mange froid ? Alors il me dit, ben non, ça se fait chauffer, puis après je l'ai vu, j'ai dit, mais il me dit allez-y, c'est super bon, qui m'a dit, lui il en avait je sais pas combien de boîtes, il en a acheté je sais pas combien de box, il m'a dit c'est super bon, donc je vais y goûter, je vais peut-être pas en abuser parce que c'est des plats préparés hein, quand même, fini la fourchette plastique, bon je verrai, de toute façon je vais me manger ça, c'est bon jusqu'au 22 mars 2023, donc je peux le garder. Et dans ma vidéo que je vous ai fait ce matin, hier ou avant-hier, je ne sais plus, je vous ai montré que je faisais des petits paniers. Donc j'en ai profité. Comme ils ont sorti les œufs packs, j'en ai pris 2 paquets comme ça. Voilà. Et j'en ai pris un de couleur comme ça. Comme ça, alors je ne sais pas à quel goût ils sont. Chocolat au lait, fourrage praliné, celui-là. Celui-là, c'est chocolat au lait, fourrage praliné. Et celui-là, c'est... je ne sais pas. 4-7.
Alors, je ne sais pas, 4 recettes. Il doit y avoir plusieurs goûts. Chocolat au lait, fourrage praliné et céréales croustillantes. Et l'autre, c'est chocolat noir, fourrage, truffe, fantaisie. Ben, il marque... Ah, non, non, il y en a 4, attendez. Le troisième, c'est... chocolat noir, fourrage praliné. Et l'autre, chocolat blanc, fourrage praliné. Donc, j'en ai pris 2 paquets comme ça, 1 paquet comme ça. Je ne sais pas si j'en aurai assez, mais déjà, pour commencer à faire mes petits trucs et puis les mettre de côté au frais, c'est déjà pas mal. Donc, voilà ma petite, mon petit retour de course. Je vais ranger. Ah oui, puis je me suis... Ne riez pas, ne riez pas, ne riez pas. Je n'ai pas l'habitude de m'en faire. Mais j'ai trouvé, je dis c'est trop tard, hein, c'est trop tard pour moi, mais c'est pas grave, je le fais quand même. Un masque anti-âge, comme ça. Voilà. Donc je vais me faire ça un soir, tranquillou. Tout le monde se fait des masques, pourquoi que moi je m'en ferai pas. Un masque anti-âge, c'est trop tard, hein. C'est à l'huile d'argan. Donc, Corinne, si elle voit ça, elle se fiche de moi, mais c'est pas grave. Bon, attendez, j'ai pas encore fait, hein. Je ne suis même pas sûre de le faire tout de suite. Je ne sais pas, il doit y avoir une date aussi là-dessus, non? Il n'y a pas de date là-dessus? Non, si ça se trouve, je ferai ça que cet été. Hein. Donc voilà, donc je vais vous mettre les prix dans un coin de la vidéo. Et puis voilà, ouais, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors oui, la box, ça c'est ça, je voulais vous donner quand même le prix tout de suite parce que c'est intéressant. 2,29. Donc voilà. Donc sur ce, je vous fais un gros bisou et je crois que c'est ce que je vais manger là tout de suite. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo et merci d'avoir regardé. Bisous.